moi, j'étais un gars qui demeure sur une terre, hein, puis j'ai un grand terrain. Puis c'est moi qui fais toujours mon gazon. Et puis j'ai un beau chat. Ouais, un beau chat Angora, là. Alors, ma machine, ma tondeuse, là, a manqué un petit peu d'essence. Alors, j'ai été chercher le bidon, et puis j'ai mis de l'essence dans ma machine, tout ça. Et puis, je pars à tondre mon gazon. Mais mon chat, qui avait soif, est arrivé, puis a commencé à licher la gazeline, l'essence qu'il y avait sur le bord du bidon. Aussitôt qu'il a eu pris ça, là, il part, la mort aux dents, il se met à courir à l'entour du terrain, ça allait à peu près 50 000 à l'heure, d'un bord puis de l'autre. Puis tout d'un coup, il est arrêté d'un coup sec, là. Non, non, il est pas mort, il a manqué de gaz. Ah, il faisait mes foins un petit jour, là, puis moi, quand je fais les foins, je les fais toujours avec une faux à la main, hein. Et puis, il y avait une vache devant moi, puis je la voyais pas parce que le foin était trop haut. En donnant un coup de faux, là, je coupe les quatre pattes de la vache. Elle est morte. Hey, elle est pas morte, mais elle est basse. Y'a des gens qui prennent la grippe, donc les fièvres ou bel eczéma. Y'en a d'autres qui ont mal aux tripes, ou bien c'est le cœur qui ne va pas. J'en ai vu avec une gastrite, l'appendicite ou entérite. Puis quatre volants, quatre roulants, démangeaisons, échauffaisons. Puis la rigette ou la picuite, mal aux rayons, mal aux poumons. Mais des oignons, des corps aux pieds, on vient carnés, des coups d'un coup et mal partout. Hey, hey. Si vous avez ça, mes bons amis, ça sera que vous êtes mal pris. J'ai pas de conseils à vous donner, vous ferez mieux, vous ferez soigner. Hey, il y avait deux couples, là. Deux couples. Un beau couple, puis un couplet. Le couplet avait les plus beaux enfants du monde. Eh oui, puis le beau couple avait les enfants les plus laids du monde. Alors, le beau couple a été voir le laid couple. Il leur a demandé, comment faites-vous pour faire des si beaux enfants? Alors, il dit, ce qui est important là-dedans, c'est d'avoir le lit au niveau. Bien important. Je suppose que vous avez toujours fait l'amour, vous autres, le lit est accroche, mais essayez donc ça. Alors le gars part, puis il s'en va d'une ferronnerie, puis tout ça. Il va s'acheter des blocs, puis en arrivant chez lui, il commence à mettre ses blocs en dessous de son lit. Il prend son niveau, puis s'ajuste. Et puis là, il dit à sa femme, c'est le temps, on va en faire un beau. Il commence à faire l'amour. Tout d'un coup, il y a un petit coup de trop, le lit débarque, et puis le lit devient tout croche. La madame s'appelle, oh, y'a un autre qui sera pas regardable. Oui, je viens pas souvent en ville. Quand je viens, ben j'aime ça prendre le métro parce que c'est des choses qu'on n'a pas chez nous, hein? Et puis j'ai pris le métro, puis il y a la femme qui était là, là, puis elle dit, monsieur, elle dit, donneriez-vous votre siège pour une femme enceinte? Je dis, comment ça fait tant que vous êtes enceinte, vous, madame? Ah, tu fais à peu près 20 minutes. Il y en a d'autres qui ont mal à tête. Ça peut dépendre de bien des choses. Ça vaut pas la peine de qu'on s'arrête pour trouver ce qui en est la cause. J'en ai vu même en hiver. Toi de chapeau par un frais de l'air. Grande découverte comme une patinoire. Si tu vois l'envers en parlant de mer. Le bout bien gelé prêt à casser. Toutes les chanchis sur pas de front. Tu sois crachant en disant ton nom. Hey, hey! Si vous avez ça, des bons amis, ça ne savait pas que vous êtes mal pris. J'ai pas de conseils à vous donner. Vous feriez mieux vous faire soigner. On a un vétérinaire à part ça chez nous, nous. Ouais, il a eu son premier client. Son premier client, c'était un cheval. Ah, il a travaillé toute l'après-midi après. Il est arrivé à sa femme. Il dit, j'ai eu ma femme. Et j'ai eu mon premier client. C'était un cheval. Ah, ben, c'est un beau départ. Oui, mais il fallait y arracher une dent. Mon Dieu, c'était un affaire de rien. Et c'est pas d'y arracher la dent qui était le pire. C'était de l'asseoir sa chaise. Ah, hey, j'ai rencontré ma belle-mère. Le jour, elle arrivait justement de Miami. Oh, c'est une femme qui aime bien parler. Elle a tellement parlé là-bas qu'elle est revenue ici, mes enfants, avec un coup de soleil avec sa langue. Il y en a d'autres qui ont rien de tout ça, ils vivent heureux et contents. On en trouve des mecs des grands, jamais malades et rien tout le temps. J'en ai vu, moi, pour ma part, qui ont vécu jusqu'à leur mort. J'ai vu d'autres partir bien vite de l'accident d'une mort subite, une collision, une explosion, être aussi trop sous le goudron pour ménager, se priver de manger, afin de laisser des héritiers. Hey, hey! Si vous avez besoin de mes bons amis, ça serait que vous êtes mal pris. Mais pas à vous donner, vous feriez mieux de vous faire soigner.